Je me marre. Tout le monde se plaint maintenant. Alors, vous ouvrez le journal pour apprendre que 20 Portugais, hommes, femmes et enfants, vivent dans la même pièce, un taudis dégoûtant et une photo, c'est horrible. Je dis non. Ces gens-là n'ont pas raison de se plaindre. On n'est pas allé les chercher. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces Portugais qui viennent retirer le pain de la bouche à nos Arabes? Je me marre! Sans compter que sur 20 Portugais, il y en a quand même un qui pourrait faire le ménage, non? Oh non, mais le personnel, c'est une calamité. Alors on vous dit, oh, mais ce sont des braves gens, ils sont venus chercher du travail en France. C'est pas vrai. Feignant. Ils sont venus chercher du chômage en France. Tellement que ces pauvres, dans leur pays, il n'y a même pas de chômage. Je me marre. Parce que pour qu'il y ait du chômage quelque part, il faut déjà qu'il y ait du travail. En France, il y a les deux. Seulement quand il y a du travail, les travailleurs se plaignent de travailler. Oui, on n'est pas assez payé, on travaille trop, on nous fout à la porte qu'on est du syndicat, tout ça. Seulement quand il y a du chômage, les chômeurs se plaignent de chômer. Voilà. Et on peut même pas concilier les deux en remplaçant les uns par les autres, hein. C'est les mêmes. Je me marre. Alors on vous dit, il n'y a qu'à foutre les chômeurs à la porte. Mais en fait, on pourrait envoyer chez eux les Portugais, les Africains, les Nord-Africains, les Juifs. Non, pas les Juifs. Mais déjà rien que ceux-là, hein. D'autant que la majorité d'entre eux sera bien mieux chez eux. La preuve, on y va en vacances. Je me marre. Alors on vous dit la Grèce. Mais la Grèce, c'est le paradis, la Grèce. La Grèce, c'est le soleil, c'est les vieilles ruelles avec le linge qui pend aux fenêtres et la milice qui passe 4 par 4 armée jusqu'aux dents, prête à bondir. La Grèce, c'est les enfants qui jouent dans le caniveau. Les mômes, ils s'amusent avec rien. Là-bas, ils ramassent un rat mort, ils jouent à David Croquette. Voilà, une vieille boîte de conserve avec les bords tout coupants, ils s'envoient ça dans la gueule, ils se fendent la gueule, les mômes. Tandis que passe la milice 4 par 4 armée jusqu'aux dents, prête à bondir. Vous prenez l'Espagne, c'est pareil, l'Espagne. Je m'en ai. L'Espagne, c'est le soleil, c'est les vieilles ruelles avec le linge qui pend aux fenêtres et la garde civile qui passe 4 par 4 armée jusqu'aux dents, prête à bondir. L'Espagne, c'est le folklore espagnol. Moi, j'aime pas. Mais c'est chacun son goût. De toute façon, leur jouerait du Binoni, ils comprendraient pas, alors. Et pourtant, il est espagnol. Alors, ils sont là des heures, je les ai vus sur la plage, des heures, ils jouent. Feignant. Je m'en aille. Alors, on vous dit, il y a la misère. Bien sûr, il y a la misère. Mais la misère, c'est beau. Surtout quand c'est bien fait. Pour eux. On vous dit le Chili, mais le Chili, ils ont tout. On demande à quoi ils se plaignent, le Chili. Le Chili, ils ont tout. Ils ont le soleil, ils ont le linge aux fenêtres, ils ont les maladies qu'ils veulent, ils ont des rats pleins les caniveaux. Ils ont les brigades de la mort qui passent 6 par 6, armés jusqu'aux dents, prêtes à vendre. Alors, c'est partout pareil, de quoi ils se plaignent, c'est partout pareil. Bon, il y a quoi? Il y a que la police qui change, et alors?